Brian Nichols et Juan Gonzalez a déjà atterri sur le sol pays d'Haïti. Côté rencontre Premier ministre Ariel Henry, secteur démocratique et populaire, puis comité qui a cherché une solution ensemble avec la crise haïtienne. Mercredi 29 septembre 2021, Premier ministre Ariel Henry est passé par une visite en bas Artibonite. Côté il a participé à la messe solennelle Petite Rivière de l'Artibonite Saint-Jérôme et il a profité de rencontrer quelques autorités locales. Maître André Michel a annoncé lever d'interdiction de départ qui était gagné contre maître mécène Jean-Louis. Plusieurs organisations politiques décidées à porter plainte contre le conseil électoral provisoire qui de refuser accepter révocation. Juge Gary Aurélien lui-même l'étendait ancien directeur unité sécurité présidentielle Pierre-Léandre Haussmann à 30 septembre 2021 dans cadre dossier que a instruit sous assassinat président républicain Jovenel Moïse. Responsable OIM et ONM nan, et bien bay plus détails sur quantité de migrants qui rentrent dans le pays d'Haïti et surtout yo bay clarification sur ça qui gen awè ensemble avec 5.5 millions de dollars ça que soi-disant gouvernement haïtien lui-même li ta recevoir des États-Unis pour li ta accueilli migrants yo. C'est toute information ça yo avec divers autres qui prend fait essentiel actualité nous jodi a. Coucou tout le monde, bienvenue sur chaîne Actualité nous en tac info plus avec zami nous Fabula Jachol. Encore une autre fois, nous comptons rentrer la caillou pour édition nouvelle ça qui va commencer dans quelques secondes. Dossier assassinat, président République Jovenel Moïse, il continue à faire chimel. Après que juge Gary Aurélien lui-même était fin de Dimitri Erreur avec Jean la guerre civile, Kounia c'est tout pas Haussmann Pierre Léandre qui s'est directeur ancien. Directeur, pardon, unité sécurité présidentielle d'un côté, avocat Eugène Pierre lui était accompagné et lui fait connaître que Haussmann lui-même lui répond à toute question la justice et lui continue à mettre à disponibilité la justice sur manière pour capable permettre enquête qui a peiné pour résoudre assassinat ça lui-même lui avancé. N'a toujours rappelé que Pierre Espérance lui-même fait connaître que la police ensemble avec des autorités actuelles et bien a caché Joseph Félix Badio et n'a pas trop longtemps il a gagné plus faire passer comme mort Jean Manuel là pour lui capable chaper pour lui dans dossier assassinat puisque Joseph Félix Badio c'est un monde qui gagnait plus information par rapport ensemble avec acte horrible ça qui était arrivé commettre 7 juillet 2021 dans résidence privée président Jovenel Moïse dans Pèlerin 5. Eh bien, pile migrants continue à rentrer en dans pays d'Haïti et ONM ak OIM yo même yo décidé bay bilan, mais non seulement yo bay bilan mais aussi yo bay clarification sur somme 5.5 millions de dollars américains ça que gouvernement haïtien lui-même li ta recevoir yon manière pour li capable gérer migrants si là. Selon Jean-Ego Delva Bonheur, eh bien migrants si là yo yo jwenn yon bon accueil et a travail là yon manière pour capable permettre réinsérer yo en dans société a normalement et surtout pour faire yo sentir que yo pat jam perdu place yo en dans pays d'Haïti. Insécurité a qui continue à faire la graba, insécurité a qui continue à marcher griffer moun nan nan société haïtienne, eh bien vinn pousser toute petite terre presque eh bien quitter pays pour aller chercher refuge sur l'autre terre, ça qui vinn permettre que y a prend humiliation. Eh bien pays Panama lui-même annoncé qu'il y a plus passer 6000 migrants qui nan route là yon manière pour yo capable traverser frontière mexico-américaine yo manière pour yo capable atterrir États-Unis bien que et sans que yo pas même tenu compte de ça qui t'est passé déjà et que gen pis passé 5000 migrants qui déjà retourné sous sol pays d'Haïti. N'a botan de Jean-Ego Delva Bonheur ak responsable OIM nan et puis n'a tourné. L'ONM a été créé dans le but d'accueillir les migrants de retour forcé. Et aujourd'hui, nous sommes en face des refoulés ou des Haïtiens qui se trouvaient surtout entre le Mexique et les États-Unis, eh bien, ces Haïtiens-là ont été interceptés et sont en train d'être refoulés au pays. Donc, puisque c'est l'ONM qui a cette charge d'accueillir les migrants de retour forcé, depuis dimanche 19 septembre, l'ONM, à travers ses équipes d'accueil, que ce soit au niveau de l'aéroport de Port-au-Prince, Toussaint Louverture, que ce soit au niveau de l'aéroport du Cap, l'ONM accueille dans la dignité
les Haïtiens de retour forcé. Nous voulons dire, nous aimerions clamer à tout le monde que ces Haïtiens-là sont reçus selon les normes relatives, je dirais, à la déportation. Ils ont été bien accueillis, ils ont été pris en charge par l'ONM, enregistrés, et déjà une équipe de suivi travaille normalement pour la réinsertion de ces migrants. Il y a à côté de l'ONM plusieurs organismes, dont l'OIM, représenté aujourd'hui par M. Lopreté, le chef de la mission en Haïti. Eh bien, c'est l'OIM qui accompagne financièrement les migrants de retour forcé. Non seulement ils ont trouvé de quoi pour rentrer à leur maison, mais aussi ils ont été pris en charge et on leur a donné des kits pour qu'ils puissent continuer à faire la route. Donc, nous allons pour l'instant vous donner des chiffres concernant le nombre de migrants accueillis depuis 19 septembre jusqu'à hier, mercredi 29 septembre. On a accueilli à Port-au-Prince 3719 personnes, dont 1634 hommes, garçons, 1083 femmes et 1086 enfants à Port-au-Prince. Au Cap Haïtien, pour 18 vols, on a accueilli 1602 personnes en tout, dont 1098 hommes, 352 femmes et 152 enfants. Depuis dimanche 19 septembre jusqu'à hier, mercredi 29 septembre, 2732 hommes, ce qui représente un pourcentage de 50.54%, 1435 femmes, un pourcentage de 26.54%, et 1238 enfants, dont 22.90%. Voilà le nombre de migrants accueillis depuis cette série de déportations sur Haïti. Des rumeurs et des discussions, donc peut-être j'anticipe la question sur les 5 millions et tout l'argent que l'OIM est en train de gérer. Je fais remarquer aussi que, comme on vient de le dire, d'abord on est en train de, dès que les financements seront confirmés, l'ambassade des États-Unis fera aussi une communication officielle. Comme d'habitude, l'OIM travaille avec les partenaires, les bailleurs de fonds et l'État haïtien pour gérer les financements qui sont impliqués. Si la somme des 5 millions, qui ne s'est même pas confirmée, je tiens à le dire, semble beaucoup pour gérer cette opération, il faut tenir compte qu'on a les 14 000 qui ont été annoncés de Rio, Texas. Il y a 28 000 Haïtiens qui sont au Mexique, d'après les informations qu'on a du Mexique. Il y a environ entre 900 et 1000 migrants, d'après les informations, aux Bahamas, qui vont rentrer bientôt. Il y a des groupes à Toxicaicos qui sont là. Il y a en Colombie environ 20 000 personnes. Et il y a tout un mouvement des migrants haïtiens parmi les migrants, les autres migrants de la région qui sont en train d'arriver, de se diriger vers la frontière du Mexique. Donc, si on prend en compte l'assistance qu'on devra donner à toutes ces personnes, on doit se préparer
à la pire situation. Donc, c'est ça, on a même des moyens limités pour faire face à tout ça. Et tout ce que nous faisons déjà rentre dans la logique de leur donner quelque chose pour arriver au pays, trouver peut-être un endroit où rester, reprendre contact avec la famille, et répondre aux premiers besoins des enfants, des bébés surtout. Et s'il y a d'autres besoins médicaux, l'OIM a déjà pris en charge avec l'ONM, avec les autres partenaires. Et les gens qui doivent rester à l'hôtel sont aussi pris en charge. Tous les paquets que je viens de dire ont des coûts qui sont associés, qui sont compris dans ces montants. Donc, dans la plus grande transparence, je veux dire que c'est ça, c'est vraiment un challenge. C'est même pas une question d'argent ou des finances. C'est vraiment une question d'assistance immédiate. Et je termine en disant que si on regarde la situation et si on pense, si jamais ni l'ONM, si l'ONM n'était prêt à faire cette assistance, si l'OIM n'était pas là pour faire l'assistance, si les partenaires n'était pas à l'aéroport, imaginez-vous dans quelle situation. 30 septembre, eh bien, c'est une date qui est importante en pile pour famille Lavalasse, puisque c'était 30 septembre 1991 que tu as eu un coup d'état militaire qui était fait ensemble avec ancien président républicain Jean-Bertrand Aristide, côté il était obligé de quitter le pays et que l'Itapral retourner 3 ans plus tard. N'a pas rappelé que Jean-Bertrand Aristide lui-même, c'est le premier président qui arrivait élu sous ça, nous carrelé la démocratie en dans pays d'Haïti. Plusieurs partisans et sympathisants ancien président t'ont organisé un sit-in devant l'ambassade américaine pour capable dénoncer ingérence pays États-Unis ensemble avec ça qui a passé actuellement là en dans pays d'Haïti. Un sit-in que la police nationale d'Haïti t'écrasé ensemble avec coup de gaz lacrymogène. Voilà, Premier ministre Ariel Henry lui-même bon côté parle tenant une visite dans bas Artibonite côté il était profiter rencontrer ensemble avec des autorités locales qui exposaient tout problème que bas Artibonite lui-même lui a confronté dans moment surtout ensemble avec production de riz qui pas qu'a fait à cause pas gagner assez d'engrais et surtout gagne une sécheresse qui a crasé un bien bas Artibonite côté gagne un problème d'irrigation. Bien avant la mort du président républicain Jovenel Moïse, eh bien, mon homme ba Artibonite ou même yo tap kriye sou sa ki gen awe, ensemble avec irrigation, eh bien, y a plusieurs promesses qui étaient arrivées faites. Jusqu'à présent, promesses sa ou même yo pa capable kebe. Premier ministre Ariel Henry lui-même bay paroli que dans un bref délai, eh bien, ba Artibonite lui-même la capable jwenn assez d'engrais et ap irrigé yon manière pour yo capable relancer la production du riz, puisque c'est une production nationale nous gagne qui permet nous et qui aide nous à avancer un peu plus. Et sans ça, eh bien, économie nous en lui-même, li pap suspend marcher sous rail, train pap suspend passer sous lui, puisque nous avons une situation qui est vraiment difficile par rapport ensemble avec ça. Brian Nichols et Juan Gonzalez rencontrés, Premier ministre Ariel Henry, secteur démocratique et populaire, tout lui-même, bon côté parle, qui défend accord 11 septembre 2021, qui c'est accord politique, Premier ministre Ariel Henry, pour une gouvernance apaisée, côté au fait qu'on est, et bien que accord si là, lui-même, lui gagne toute plainte, toute complète, population haïtienne la donne, et surtout, il rencontré représentants de la société civile, ensemble avec, à travers, disons, un bien comité qui a cherché une solution avec la crise haïtienne qui s'est signé accord Montana. Selon Brian Nichols, eh bien, rencontre ça, c'était une rencontre qui était assez fructueuse et ils promettent que yo pa vinn intégrer, yo pa vinn bay une feuille de route ensemble avec haïtien yo, mais surtout yo vinn aider haïtien lui-même pour yo joindre une solution ensemble avec propre défi pa yo que yo a relevé. Qui donc c'est eux-mêmes qui a vivre en Haïti, c'est eux-mêmes qui connent qui tribulation, qui trahi, qui misère y a passé, qui donc c'est eux-mêmes qui gain capacité eh bien pour yo répondre ensemble avec propre défi actuel que pays a lui-même li a confronté. Secteur démocratique et populaire lui-même à travers maître André Michel qui se porte-parole a annoncé levée d'interdiction de départ que selon maître André Michel président Jovenel Moïse qui s'était de facto eh bien l'ité mette contre maître Messien Jean-Louis 8 février après que secteur démocratique là avec quelques organisations politiques a décidé installer comme président
de rupture là qui donc président Jovenel Moïse même lui te mette interdiction de départ si là. Plusieurs organisations politiques aiment bien lui-même dénoncer et porter plainte contre le conseil électoral provisoire qui de refuser accepter révocation pour le premier ministre Ariel Henry. Maître Ariel Henry, qui fait partie des organisations Gérer la vie, et bien lui-même, lui tenant dans le micro, Radio Télé Guinée, côté lui tabay plus de détails par rapport ensemble avec plainte ça que l'organisation parle là lui-même, lui t'a apporté. Je tiens à nous là, une fois de plus, c'est dans le cadre de deux dossiers. Le premier dossier, c'est que nous venons par assistance et dans le cadre de plaidoirie et interdiction de départ, mettre mes scènes. Et le deuxième dossier qui est plus important, c'est on dépose sur deux plaintes que nous faisons contre les anciens membres du Conseil électoral provisoire. Parce que on va comprendre que Jovenel Moïse, de son vivant, les a fait nommer par le biais d'un arrêté. Mais arrêté a été inconstitutionnel parce que normalement, le mandat que vous avez arrêté, le mandat est en porte-à-faux par rapport à l'article 190, 191, 192 de la Constitution. Et nous-mêmes, comme avocats, j'en ai toujours dit, nous faisons des manches pour attaquer l'arrêté à part devant le tribunal administratif, qui est la Cour des comptes. Donc, on est la Cour des comptes récusée. Mais pour nous, le Premier ministre Ariel Henry par le biais d'un arrêté en date du 27 septembre, a mis fin à leur service. Maintenant, un ensemble d'organisations, notamment Collet Serré, qui est représenté par plusieurs acteurs là, qui constituent le cabinet noir d'avocatus pour venir déposer plainte contre l'ancien membre KEP Sao. C'est des infractions que vous commettez. Nous qui infractions, nous avons usurpation de fonction, usurpation de titre, faux en écriture publique et puis association de malfaiteurs. Pour qui ça nous dit faux en écriture publique, c'est malgré émission, malgré sortie arrêtée Ariel Henry, nous voyons que le vice-président KEP a capable toujours. Donc automatiquement que arrêté a sorti, donc vous n'avez plus la qualité de membre du conseil électoral, vous êtes un citoyen. Maintenant, agir de la sorte viole l'article 214, 224 et 117 du Code pénal, qui parlait de fonds en écriture publique qui sont crimes. Donc je dis là, ensemble de représentants organisations, vini déposer plainte. Et numéro plainte, c'est 0658 /2021. Donc nous avons enregistré, nous avons scellé. Donc il reste au doyen de faire le suivi du dossier parce que normalement, son juge qui va le désigner sous lui et de là, il a commencé à tendre le conseil électoral. Parce que normalement, le fait qu'il n'y ait pas de prêter serment et qu'il ait fait en violation de la loi, il n'y a pas de qualité pour agir comme membre conseil électoral provisoire. Donc, je dis là, c'est raison qui explique la présence. Donc, c'est sûr que grand pilote organisation peut suivre nous dit c'est bien. Mais cependant, nous avons posé la première pierre, c'est que nous avons assumé nos responsabilités en venant déposer une plainte contre les anciens membres du conseil électoral provisoire. Voilà, insécurité à lui-même, il continue à faire chemin. Côté nan Jacques Mel, il y a un jeune garçon qui perdu la ville en bas, yon koute couteau et aussi des kidnappings qui continue à fête. N'a tout profité annoncer que normalement, Madame Lafaye, dame sa qui était arrivé kidnappé dimanche qui s'est passé à jouen libération la, contre rançon, mais c'est bien malheureux que Maril, s'il n'est Lafaye lui-même, li pat jouen chance pour lui être capable de gagner la vie sauve. Nous avons remarqué qu'il y a une situation lui-même, lui continue à faire chimer une situation qui a empiré de jour en jour sous sa qui gagne à ouais ensemble avec dégradation et insécurité. Insécurité, ça tout qu'a fait nous pencher sous problème moun qui a vivre actuellement dans le centre de Carrefour. Depuis 1er juin 2021, Mbe moun sa yo a vivre dans une situation qui vraiment compliquée. Et selon magistrat Carrefour en Jude Edouard Pierre, eh bien, il est vraiment difficile pour lui continuer à accompagner moun sa yo puisque eh bien économie en lui-même, il est vraiment en baisse et pas gain assez de l'argent qui entre, yo manière pour ta capable aider moun sa yo. Bien que gouvernement lui-même lui te promette que lui t'a aider moun sa yo et reloger yo, eh bien jusqu'à présent là, moun sa yo y a vivre dans le centre sportif de Carrefour. Sous problème qui t'est passé République Dominicaine, eh bien, il y a une vidéo qui était là qui expliquait qui situation que étudiants ça même y a vivre République Dominicaine et qui gens yo même yo capable de statut légal dans République Dominicaine n'a pas attendre et puis n'a pas tourner. Mercredi 29 septembre 2021, le consulat général d'Haïti Santiago
te vive un moment, nous avons dit déplorable, triste, côté des étudiants haïtiens et victimes, et d'un côté et de notre côté, et des policiers dominicains victimes. Moi, après un petit temps, pour m'expliquer tout le monde qui s'abagait là, exactement. Il y a un statut pour légal, et particulièrement pour étudier dans tout le pays. Et statut, ça, c'est le statut étudiant. Et il y a des Haïtiens qui rentrent en République dominicaine avec des visas touristes. C'est-à-dire, c'est la migration dominicaine a dû faire 30 jours sur ce territoire-là, à passer de l'essai, il vient illégal. Et étudiants, ça, ils inscrits dans des universités pour des études qui durent entre 5 ans et 7 ans. Et comme il n'y a pas de statut étudiant, c'est un visa touriste, il est automatiquement illégal. Et le gouvernement dominicain, migration en particulier, a déporté chaque temps qu'il joigne sur la route. Peut-être ça, il y a une quantité d'étudiants qui manifestaient, qui expliquaient, qui exprimaient des awayo à l'ambassade d'Haïti en République dominicaine et au consulat général d'Haïti à Santiago. Et pour nous regarder comment nous apporter une solution, l'ambassadeur, M. Smith Augustin, accompagné de moi-même, James Jacques, consul général d'Haïti à Santiago, nous avons entamé une série de discussions avec le gouvernement dominicain jusqu'à ce que dans le mois de mai, nous avons vu un accord côté de Tapalba, des visas d'étudiants spéciaux pour qu'on régulariser la situation de ces gens. L'ambassade de la Bokoti Pal a reçu un passeport dans les étudiants qui sont dûment inscrits dans l'université. Et puis l'ambassade de la lui-même l'a chargé pour le porter passeport dans le consulat dominicain en Haïti à Port-au-Prince. Et que Santiago lui-même l'a pris tout passeport, l'a porté dans le consulat dominicain à Wanamet et au Cap-Haïtien. Plusieurs fois, l'ambassade a publié de notre côté de recevoir des passeports avec des visas étudiants pour un groupe d'étudiants déjà. Et le consulat général d'Haïti à Santiago fait même bagarre. Mais il se trouve que étudiants, j'aime dire un peu là-dedans, ne pas comprendre le processus. Ils disent que y a une lenteur. Moi, rencontrer un groupe, je dis que ça ne pas dépendre de nous. Lenteur dépend du gouvernement dominicain. Et malgré tout, ambassadeur, moi-même en particulier, moi, le vice-ministre aux affaires extérieures, M. Jatzel, moi discuter ensemble avec lui pour nous bénéficier de l'urgence parce que étudiants effectivement ni ambassade là ni consulat reconnaît que étudiants ont des difficultés déjà parce que étaient irréguliers parce que pas de statut étudiant mais tout yo pas de document dans main yo soit pour recevoir comme de parents pour payer l'école pour payer caille pour manger pour fonctionner somme toute pour une fois yo venir me te faire une commission mixte côté me prendre des représentants étudiants mélangé avec responsable section étudiantine dans consulat, à le rencontrer avec deux représentants du gouvernement dominicain et avec ambassadeur Haïti en République dominicaine. Et yo té ouais tout bagage discuté devant yo. Comme nous-mêmes dans consulat général d'Haïti, nous voulons faire bagage là en transparence matin, yo té annoncé manifestation depuis hier et yo té annoncé que yo t'a d'ailleurs toute notre sorti là, yo t'a protégé en violent etc. Pour éviter dérapage, moi passer instruction à l'autre collègue qui est dans le consulat pour nous fermer la barrière principale là, justement pour éviter dérapage. Automatiquement, on commence à rassembler, moi j'ai demandé une délégation de 5 étudiants venir rencontrer ensemble avec dans le bureau. Ce qui a été fait, moi rencontrer avec 5 étudiants, 2 présidents du comité là, et m'expliquer le processus là encore. Moi dit que nous avons aimé étudiants yo fait même bagarre nous fait première fois n'a fond commission mixte. Dans la commission mixte, a gagné 2 ou 3 représentants étudiants, a gagné 2 représentants consulats pour tout reste processus. C'est-à-dire, les tribunaux rencontrer avec le gouvernement et le gouvernement dominicain, les pour nous gagner pour nous porter passeport aller parce que nous servons d'intermédiaire entre les étudiants et les consulats dominicains en Haïti. C'est-à-dire, nous recevons passeport dans les étudiants, nous baillons dans le consulat, et les opérés, nous allons chercher toute logistique pour ça dépend de nous. Les nouveaux 200 passeports, consulat voyez 50 pour nous, nous ne disons pas que 50 pour vous. Nous avons seulement informé que 50 qui paraît, nous voyons prendre. Et nous avons vivre ça pour continuer. Les opérés, côté avons discuté de ça ensemble avec eux, ils ont refusé catégoriquement à proposition pour faire partie de la commission MIXA qui a facilité l'échange plus transparence et aider nous à avancer dans le processus. C'est ce que nous finissons avec. Parce que d'après la dernière discussion que nous avons eue avec le président du gouvernement dominicain, il a dit que ce processus a duré jusqu'au mois de novembre. Et ça qui est sûr, c'est que selon quoi tout le monde qui a une liste, qui est dans la liste, tout le monde qui a un passeport, tout le monde a besoin de visa. C'est tout ça que nous avons avec le gouvernement dominicain. Donc, là, nous finissons de discuter et refuser.
Moi pensais yo pral bay message à bay l'autre timoun yo pour l'autre dialogue. Malheureusement, yo pas venu dans dialogue là et yo préféré continuer à manifester ce que yo gen droit. Mais question visa, m'tan tout moun konn ça. Et m'kwè tout moun konn ça. Visa non c'est des pays sur bagay de courtoisie. Maintenant sur qui ça sous incident malheureux regrettable que moi-même particulièrement même avec toute l'équipe du consulat et monsieur j'ai l'appui et le même avis de l'ambassade d'Haïti en République dominicaine nous déplorer ça qui passé nous regrette ça qui passé mais c'est des imprudences c'est des manques de compréhension si nous venons discuter moi bah des possibilités pour nous vivre processus là ensemble avec moi pour nous regarder comment bailler puisque nous tout a besoin de timoun gain visa étudiant pour continuer à étudier normalement légalement boy si a m'pas pour qui ça obligé continuer à frapper barrière là à pousser et avec force avec croche bâtiment nou yo qui loge ambassade et consulat nou yo sécurité yo dépend de gouvernement côté nou ya donc ce qui te nous dépend de gouvernement dominicain grand pile moun k'ap di que moi relé la police m'pa gen pou relé la police ambassadeur pa gen pou relé la police convention de Vienne réglé problème ça déjà. Donc les étudiants ont rassemblé devant, il a fait bruit, il a frappé, il a poussé. Les policiers ont venu automatiquement. Et moi j'ai des vidéos, m'a partagé avec notre ça pour nous écouter. Étudiants ont poussé policiers pour y rentrer, policiers ont essayé qu'embêter contre eux jusqu'à ce que malheureusement mes compatriotes ont un policier tête cassée. C'est à partir de ce moment qu'il y a des dérapages. Monsieur Abinadel, président de la République dominicaine, l'a passé dans une zone parce qu'il est Santiago, le bon projet va le lancer. Et depuis hier, notre sortie dans toutes les médias dominicains, que le président Santiago a des mesures de sécurité à prendre pour lui. Et il n'y a pas d'accord, full réunion, qu'un côté président va le passer. Et il a demandé pour aller au bail gaz lacrymogène. Il a riposté, soit avec vous et de l'eau, soit avec vous et watch, je ne sais pas, parce que moi-même, je ne sais pas trop. Moi, vidéo, même j'ai un peu non noir. Malheureusement, l'incident est passé comme ça. Malgré tout, nous faisons travail, nous, et nous continuons à faire travail, nous. Nous déléguer. Avocats, nous délégués responsables sécurité consulaire, nous délégués responsables section étudiantine qui a accompagné étudiants yo qui par exemple qu'on y a là qui n'a garde à vue, gen la dan yo alors qui n'a garde à vue, gen la dan yo qui t'a l'hôpital, nous prenons toute disposition, nous allouer yo accompagner pour joindre soin yo mérité, nous gen avocat nous déjà paré pour aller accompagner étudiants pour nous joindre libération. Pour me finir, moi-même, moi déplacé avec toute équipe consulaire, on a rencontré Haïtiens en difficulté. Haïtiens pour que j'aime depuis 40, 50, 60 ans, qui pour que j'aime un acte de naissance que nous baillons. Parce que pour déjà lancer le processus de régularisation, il faut que j'aime un papier, il faut que j'aime un acte de naissance, il faut que j'aime un passeport et carte d'identification nationale, il faut que j'aime moins pour tes services à baillons, on a des côtés très reculés. Et nous faisons parce que nous voulons vraiment haïtien yo gon l'autre image nous même tout nous gen responsabilité tout bagaille pas président tout bagaille pas premier ministre tout bagaille pas ministre tout bagaille pas diplomate tout bagaille concerne nous même dans l'ensemble haïtien moi là m'pa travaille pour étudiant seulement moi là responsable toute la communauté comme diplomate comme consul général responsable la communauté haïtienne à Santiago, République Dominicaine, ou bien dans la région Sibao. Merci, nous souhaitons tout Haïtien par moi, vous prenez conscience et nous gardez comment nous gardons une bonne image. Merci. Voilà, c'est toute information ça que nous avons pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez enjoyé l'information ça et surtout apprendre plus de ce qui a passé actuellement là en dans le pays d'Haïti. Jeudi, c'est vendredi, jeudi, c'est 1er octobre 2021, donc 10e mois de l'année. Bon Dieu, bonne chance pour nous, jusqu'ici là. Qui donc en a mando pour continuer à faire précaution et surtout, pas bien like, commenter, partager et inviter en famille ou à vos amis. Venez abonner avec la chaîne ça pour être capable de connecter avec bonne information. Nous vous pour une prochaine sortie rubrique ça. Restez bénis. Bye bye.